fuite détectée, déjà en apparent, qui a créé ce dégât des eaux. Personne n'avait vu ce goutte à goutte qui s'infiltrait au niveau de la plinthe et puis inonder les murs. Ensuite, ça c'est la première fuite, on a bien le réseau qui passe ici. Différentes variations, c'est normal, hein, qui va dans les autres pièces, etc. On a une accumulation ici, par contre, on a bien une surcharge d'eau chaude ici, dans le réseau, ce qui m'a permis de chercher plus loin, de découvrir plusieurs fuites, des micro-fuites. À l'intérieur, là, je les ai suivis tout à l'heure avec les mains. Là, là, et puis on a une autre. Et ça, dû à la cause de la couche de terre qui est là-bas. Oh, si on peut zoomer, on verra bien. On verra bien, peut-être. Ouais, non, pas très bien. On a une prise de. Si, on la voit. On a une prise de terre. Exactement ici, qui est fixé sur le cuivre d'alimentation chauffage qui va alimenter les radiateurs et qui a créé aussi un impact et qui nous a tout rouillé, tout attaqué. On voit bien là. Fuite détectée.